Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du set Lego Creator 3-in-1 31-105, le magasin de jouets du centre-ville avec 554 pièces, 2 mini-figurines pour 40€. Donc il est sorti en janvier 2020. Et donc du coup on a ce fameux bâtiment un peu mini-modular, 3-in-1 avec les 3 modèles avec les instructions. Et l'espèce de mini Rocket Ride. On va s'intéresser d'abord au petit Rocket Ride. On dirait un peu celle Lego Ideas, mais en beaucoup plus petite, qu'ils offraient sur le shop Lego. Donc voilà, avec la mini figurine, du coup, le petit enfant comme ça. Avec une jolie veste en cuir avec du velours et tout. Et un petit jean, enfin, franchement très chouette. Donc après, vous le mettez à l'intérieur de la Rocket Ride comme ça. Et après, en fait, là, il y a un petit mécanisme à l'intérieur. Et quand on fait rouler, et ben, soit vous pouvez aller le faire vite, mais c'est mieux d'essayer d'aller doucement. Comme ça, là, pour que ça fasse comme en vrai. Bon, après, vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais ça fait moins joli comme ça. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, ça fait une petite attraction stylée pour aller au magasin de jouets du centre-ville. Donc déjà j'aime vraiment beaucoup l'architecture dehors, il est vraiment cool. Un petit peu à la place, enfin en mode style place de l'assemblée, avec l'espèce de tour dans le coin comme ça. Mais là du coup en bleu et pas en... Ah oui voilà, les beiges. Mais le toit c'est la même couleur, en bleu foncé comme ça. Voilà donc vraiment très sympa. Donc vous avez le magasin de jouets en bas avec le logo du train. Un espèce de petit soldat un peu à la casse-noisette, une lampe. Et un distributeur de chewing-gum là, voilà. Comme à l'ancienne, avec après là, les petits pour protéger de la pluie et du soleil à l'intérieur. Au-dessus, un petit oiseau, quelques fleurs et tout. Non, si j'ai fait tomber le soldat. Voilà, donc un petit détail. Là, vous avez le petit balcon. Sur le toit, rien. Donc après, vous pouvez le séparer en deux étages. Donc je vais le faire tout de suite. Donc voilà, là, j'ai séparé. On peut aussi ouvrir le toit. Je vais le faire après. Donc là, on va s'intéresser à l'intérieur. Donc là, c'est là que vous avez l'autre dame. Elle avec une tenue de Lego Store, voilà, donc le plus et tout. Alors que c'est un magasin de jouets, mais pas forcément Lego. Mais bon, vous avez quelques boîtes Lego sur le côté, là, avec le magnifique hôtel. Quelques boîtes City, on dirait les nouvelles colis où il y a la course poursuite. Et après, on a un petit avion en vente, un camion, la caisse avec l'argent, là. Voilà, donc pas mal de petits détails, quelques petites lampes accrochées en haut, en fait, qui fait partie du toit. Donc là, je vais vous ouvrir l'autre partie. Donc là, on est à l'autre étage. Donc avec le... Ben, en fait, c'est un espèce d'appartement, mais il y a juste une chambre. Avec cette jolie pièce, un peu comme dans le bookstore, qui est vraiment cool. Enfin, bookshop, bookstore, c'est pareil. Avec le lit, une petite lampe. On aura un petit poker sur le côté, ici. Donc la porte qui donne sur le balcon, avec un petit lampadaire, et puis un autre pot de fleurs. Et là, toute la partie, un peu tour, qui est vraiment chouette. Et du coup, le toit, comme ça, tac, que vous revenez... de crochet dessus. Oups. Je sais pas pourquoi ça va aussi dur, mais en plus c'est comme ça que ça va. Mais bon, voilà. Donc là, je vais tout remettre ensemble. Donc franchement, je trouve qu'il donne vraiment super bien. Après, j'ai essayé déjà tout à l'heure de l'intégrer à ma ville. Bah, j'ai fait quelques modifications. En fait, c'est quand même assez compliqué. Je pensais que ça allait bien donner à côté du café et... Enfin, c'est l'animalerie, mais au final pas trop, parce que vu qu'il est un peu plus petit, je crois qu'il fait du 12 par 8, il me semble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ah non, du 16 par 12 alors. Voilà, il aurait du 16 par 12. Et l'autre, il fait du, je sais plus, je crois, 24 par 24 ou un truc comme ça, donc c'est assez compliqué à le coller ensemble. Mais il va super bien avec les autres bâtiments du même style, Creator 3-in-1, tous les autres modèles qu'il y a eu. Si vous le fermez, vous pouvez le coller à côté. Et bon, au final, je le trouve vraiment cool. Mis comme ça. Du coup, je vais le mettre comme ça dans ma ville. Mais il faut juste que je vous montre une nouvelle update de ma ville. Et après, je vais mettre le Rocket Ride aussi à côté. Mais franchement, l'architecture, elle est vraiment très chouette. Il y avait aussi deux sachets 1, un sachet 2 et un sachet numéro 3. Voilà, donc j'ai à peu près 4 sachets. Je sais pas exactement combien j'ai mis de temps, j'ai pas été super vite, comme en plus c'est la période de quarantaine pour essayer de s'occuper, donc voilà. Donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à regarder mes autres vidéos, à vous abonner, et je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle update de ma ville.
et aussi bah, pour d'autres vidéos. Allez, salut, salut.